Bonjour. Dans cette vidéo, on se donne une minute pour comprendre ce qu'est un menuet. C'est parti. Pour commencer, le menuet, c'est une danse traditionnelle française qui a été très à la mode pendant le XVIIIe siècle, sous les règnes de Louis XIV, Louis XV et Louis XVI. Cette danse restera très en vogue jusqu'à la période de la Révolution française. Elle s'appelle menuet car elle se danse à pas menus, c'est-à-dire à petits pas. C'est une danse de couple qui repose sur une carrure de deux mesures à trois temps. Donc pour résumer, le pas de menuet se pense sur six temps. En voici un extrait composé par Jean-Baptiste Lully, surintendant de la musique royale sous Louis XIV et auteur de près de 100 menuets. Si à l'origine, il s'agit d'une musique pour danser, le menuet va aussi être intégré au sein des grands genres musicaux classiques joués en concert. La symphonie, la sonate et tous les genres de la musique de chambre. Ici, le menuet sera le plus souvent situé avant le final de l'œuvre et sera construit en trois parties. L'exposition, le trio, qui est une partie contrastante souvent plus douce, et la réexposition. Après la Révolution française, le menuet passe de mode pour être remplacé par le scherzo, au tempo plus rapide, qui ne pourra donc plus être dansé. Pour conclure, on retiendra que le menuet est à l'origine une danse traditionnelle française à trois temps, qui est intégrée lors de la période classique aux grands genres instrumentaux. Le scherzo remplacera le menuet après la Révolution française.